Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour un nouvel épisode de notre vidéo découverte sur Kingdom Come Deliverance. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura toujours pas de spoil sur l'histoire. Nous allons donc cette fois-ci voir un peu d'exploration dans la nature et surtout essayer de trouver un combat, parce qu'à la base c'est vraiment le combat que je voulais vous montrer. Donc on va essayer de trouver des bandits et on va en profiter pour admirer les paysages extérieurs. Voilà, donc vous pouvez ramasser des plantes, des coquelicots, des pissenlits, des orties, tout ce que vous voulez, qui vous permettront plus tard de faire un petit peu d'alchimie, qui sera une compétence intéressante pour faire des potions, voire de l'alcool. Bonjour mon bon monsieur, nous allons parler avec ce gaillard. Hop. Bon, rien de particulier, vu les lignes de dialogue, je ne préfère pas lui parler pour ne pas vous spoiler certains éléments de l'histoire, justement. Des petits moutons qui sont tranquillement en pâturage. Je vais essayer de courir un petit peu. Donc en bas, vous voyez ma jauge d'endurance hein, qui diminue quand je cours. Et à savoir qu'entre-temps, depuis le début de la partie, je me suis considérablement équipé. Même si je n'ai pas joué très longtemps, j'ai trouvé quelques bonnes armes et armures. On va faire un déplacement rapide si ça vous dérange pas. Parce que là, je suis pas sûr de trouver des brigands par ici. Donc le déplacement rapide, il se présente sur la carte principale. Voilà, donc Calice, c'est la ville de départ. On va essayer de retourner par là-bas. Donc là, vous voyez, ça avance tout seul. Parfois, il y a des événements qui se produisent sur la carte. Et on vous demande si vous voulez vous arrêter ou pas. Regardez là, par exemple, un cadavre sur la route. Donc je m'arrête. Je vais m'arrêter pour voir ce qui se passe. Et donc, j'ai le cadavre d'une femme. Alors, il n'y a personne autour. On va quand même voir ce qu'elle a sur elle. Des chaussures, une cotte, des fruits secs. Ah! Donc forcément, j'ai examiné la scène du crime. Donc je me suis fait prendre en flagrant. J'ai examiné la scène du crime. Donc là en bas à gauche, hein, c'est mes compétences de dialogue. Donc mon charisme a un bonus de plus 3 par rapport à ma tenue, mais mon rang social me donnerait plus de bonus. Il m'a cru. C'est peut-être lui le meurtrier. Je m'en vais vous dénoncer, je vous traîne même jusqu'au bailli. On va tenter de lui faire avouer, non, on va faire le rang social. Je m'en vais vous dénoncer. Ah, assassin! Ah oui, t'as voulu la violer, quoi. Bon, là, ça sent la baston. Ça sent la baston. Et on ne me corrompt pas, on ne me corrompt pas. Soit payé, vous pouvez partir. Non, je suis pas à vendre. Oh, il s'enfuit, le fourbe. Je vais ranger mon épée parce que je courrai jamais assez vite. Ah, pire. Ah, bon sang. J'ai ramassé trop de cochonneries par terre, du coup je peux plus courir. Je vais poser les vêtements de la demoiselle. Voilà, et puis on va tenter quand même de le rattraper, mais ça va être compliqué. Il est là. Alors, je peux pas le crocheter, hein. Ah si, je peux le plaquer. J'avais vu ça. F, excusez-moi. Aïe! Alors là, je lui ai mis des coups à la main. On va lui mettre un coup de sabre, ce sera un peu plus efficace, je pense.
Ah, donc là, l'écran tout bleu, c'est quand j'ai plus d'endurance. Oui, mon amour, j'arrive. Je châtie des vilains. Voilà, je vais trancher le pied. J'arrive, ma tendre et douce. Regarde, je fauche le vilain et j'arrive. Et ma fille qui se réveille. Je vais essayer de le replaquer, hein. J'ai pas le choix, je crois, sinon. Voilà. Allez, meurs maintenant. Va au diable. Hérétique. Alors, que mes compétences de combat sont pas très élevées, hein. Je suis encore une fois vraiment en début de partie. Je peux le plaquer. Ça y est. Oh, il est résistant, le gueux. C'est dommage que vous n'aurez pas vu un vrai duel à l'épée, du coup. Oh là, des brigands. Alors, je sais pas s'il m'attaque moi. Ou si vous essayez d'attaquer l'assassin, le meurtrier, le violeur. On verra. On verra après. Je vais me focaliser sur ma cible. Voilà, je crois que j'ai eu, ça y est. Bon, je suis en train de me faire défoncer moi par derrière. Alors voilà un combat un peu plus difficile, vous en conviendrez. Donc là, je risque de perdre, hein, parce qu'il y a 2 contre 1, sachant que je suis épuisé. Ça va être très compliqué. Et j'insiste sur le fait que j'ai aucune compétence de combat. Donc là, pour la vidéo, je reste, mais en temps normal, j'aurais fui, évidemment. J'aurais fui comme un gueux. Voilà, et je suis mort. Donc là, les combats sont assez techniques. Bon, pas de sens, j'étais fatigué, j'ai pas de compétences. J'étais blessé, et puis c'était 2 contre moi, si ce n'est plus, parce que je me demande si j'étais pas poursuivi par d'autres. Donc les combats sont assez techniques, comme vous pouvez le voir. Il faut vraiment bien viser, pas perdre trop de temps. Et puis voilà, et puis je me suis fait déglinguer. Bon. Eh ben, au moins vous aurez vu une course-poursuite et puis une meurtre, un décès, une fin de partie. C'est toujours intéressant. On se retrouve pour une prochaine vidéo où je vous ferai découvrir d'autres éléments sympathiques du jeu. À très bientôt!